Le Grand Palais, il a été construit pour l'exposition universelle de 1900. Il a été construit pour durer. C'est pour ça qu'il a été construit en fer, en béton, en verre. Et donc, tout ce spectacle qu'on a autour de nous, tout cet espace de décor multicoloré, eh bien, il va très très bien avec l'esprit de la Belle Époque et celui de ce bâtiment. Maintenant qu'on s'intéresse de nouveau au bouquin d'Hemingway, Paris est une fête, il faut la faire, la fête aussi. Ah, Josie. C'est le premier arabe que j'ai aimé dans ma vie et qui a été le premier à être célèbre. Hein, tu es quand même là. Mais je ne suis pas arabe, je suis belge. On est dans Coup de cœur de Francis Ford Coppola, qui avait restitué tout Las Vegas, tourné en numérique. Il y a des lumières sublimes dans ce film-là, Coup de cœur de Francis Ford Coppola. Et quand je vois ça, ça me rappelle le film de Francis Ford Coppola, Coup de cœur. Alors on n'est pas à Las Vegas, on est au Grand Palais, c'est la fête et c'est magnifique. Nos enfants, ils feraient quoi? Ah ouais, c'est cool, ben, je sais pas. C'est énorme. Si c'est le paradis des enfants, c'est super. C'est pas moi qui accompagne mes enfants, c'est mes enfants qui m'accompagnent. Mais oui, c'est trop bon pour la barbe à papa. C'est des poils sucrés qui se collent sur les doigts. Mais oui, c'est trop bon pour la barbe à papa. C'est des poils sucrés qui se collent sur le nez. La 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 la. La 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 la. Vous voulez pas me laisser rentrer en boîte quand j'étais plus jeune? Non mais t'es ouf, j'ai jamais fait la teuport. Je te signale que je t'ai ramené chez toi plutôt. Oui. Hein? Non mais dis donc. Adultes, mais on a aussi ce côté enfant. Faire la fête, c'est important en ce moment. C'est presque d'utilité publique. Marcel, on pourrait dire champion, mais on dirait campion. C'est nul, je l'avoue, mais Marcel, c'est un ami, droit du cœur. Avec Marcel, le mot fidélité peut s'accoler vraiment très facilement. Et c'est un homme à part, j'espère qu'il y en a dans le monde, mais en tous les cas, il n'y en a pas beaucoup, c'est sûr. Entre la grande roue, les chalets et cette fête, que vraiment il anime Paris et Paris a bien besoin d'être animé. Le monde des forains était c'était assimilé à des robes, hein, fallait bien le dire. Et puis avec Yves, avec les médias, et puis le travail qui a été fait ici, on leur a donné, j'oserais dire, une visibilité, une moralité, et maintenant ils font partie de notre société. On est revenu. C'était les troubadours du Moyen-Âge, et bien maintenant,
ils ont droit de cité, ils sont dans la cité, ils sont dans notre ville. Pour une utilité publique, c'est très bien. Absolument. C'est les forains qui sont là avec nous et qui nous prennent par la main et qui nous emmènent un peu goûter du bonheur. Amusons-nous, car c'est le moment de montrer à tout le monde que la joie gagnera toujours. Voilà. Vive Paris!